Bien, salut tout le monde, c'est Messam, on se retrouve aujourd'hui pour la suite, encore une fois, des quêtes de Maillard. On en a la quatrième partie. Et aujourd'hui, je crois qu'elle va nous parler de la ferme des Dew, mais j'imagine que ça va être encore un truc hyper rapide, hein, comme la dernière fois. Donc écoutez, on n'a pas le time, on y va, parce que j'ai la flemme. Donc, rapide retrouvaille pour les Dew. Madison, du Tomapic, aujourd'hui est une journée très importante, mes parents viennent me rendre visite. Putain, on va voir les parents de Maillard, genre... Ah, il nous donne le tapis qui va avec les bandes. Ça, c'est cool, merci. Au moins, on aura un ensemble bleu. En plus, c'est un bleu qu'on n'a pas, c'est cool. Ok, de l'XP, tout ça. Ok, pourquoi pas. Alors, oula. Non, on ne peut pas. Voici Madison et Autumn Biscuit. Elles m'ont aidé à forger un lien avec Ellie. Mais ça m'énerve dans ce jeu qu'on prétende que ton cheval ce soit forcément une jument. C'est pas la première fois, c'est insupportable. On passe beaucoup de temps ensemble. Heureuse de se rencontrer, Madison. Merci d'être une aussi bonne amie pour Maya. Oui, merci, Madison. Ils sont vraiment classiques, ces parents. Hein. Putain, la vache. Notre famille a vécu des choses difficiles, alors c'est très important pour nous que Maya ait des amis qui prennent soin d'elle. Je suis heureuse d'être l'amie de Maya. Ouais. Comment ça se fait que vous ne soyez pas roux? On dit vraiment un truc comme ça. Je dirais qu'on est des connaissances. On connaît toutes les deux Alex. J'aimerais mettre ça, mais genre, ça fait vraiment trop sec. Donc on va dire ouais, c'est trop bien d'être l'ami de Maya. Ma chère Madison, comme ton âme est charitable, j'apprécie moi aussi grandement la valeur de notre amitié. Ouais, c'est ça, ouais. Comment vas-tu, Maya? Et où est ma fille préférée, Alex? Vous êtes généralement toujours ensemble. Maman, Alex s'entraîne avec ses amis. Ce n'est pas ta fille, tu ne peux pas dire que c'est ta préférée. Si tu continues à parler comme ça, nous allons adopter Madison et en faire notre deuxième préférée. Tu te retrouveras en troisième place. Ouais, carrément. Très bien. Papa, vous êtes trop méchant. Ah Maya, on est fiers de toi. Tu as continué à te faire tourner cette ferme toute seule, sans qu'on te demande quoi que ce soit. Tu as même gardé les animaux. Je croyais qu'on t'avait dit de les vendre et de garder l'argent pour toi. Je n'ai pas eu le cœur de le faire. Je ne voulais pas abandonner le peu qu'on avait. Ce sont des animaux. Les vendre signifierait renoncer à faire revivre la ferme un jour. Je comprends, ma chérie. C'est vraiment difficile d'être loin de tes frères et sœurs et toi. Mais nous te promettons qu'un jour, nous serons tous réunis et nous vivons pendant cette ferme. Dis donc, j'en ai la larme à l'œil. C'est pour ça que je ne supporte pas plus de quelques minutes à la fois, papa. Tu ne peux pas t'empêcher de gâcher les moments d'émotion, hein. Bon, on doit prendre le bus pour aller rendre visite à tes frères et sœurs de l'autre côté de l'île. Prends soin de toi, Maya, tu as bien compris. Travaille pas trop, mange bien et bois bien beaucoup d'eau. Ne laisse pas tomber Alex, c'est une fille bien. Leurs coiffures, elles sont cheloues. Hein. On t'aime, Maya, dis bonjour à Alex de notre part. Ravie de t'avoir rencontré, Madison. J'espère qu'un jour on verra leur, enfin, ses frères et sœurs, du coup. Kita. Merci d'avoir rencontré mes parents. Ils avaient vraiment envie de te voir. Je les avais pas vus aussi optimistes depuis longtemps. Les choses vont vraiment s'améliorer, non? Peut-être, effectivement. Bon, j'ai rangé les bandes, donc on ne pourra pas regarder comment ça rend. Mais en vrai, c'est un joli bleu, donc ça va être cool. En plus, c'est full stats, donc c'est sympa. C'est sympa. Et bien, écoutez, d'accord, j'imagine qu'il n'y a que ça. Et du coup, et ben, c'est fini. Il n'y a plus de quête. D'accord, ok. Bon. J'imagine qu'on n'a rien débloqué de nouveau non plus. Très bien, et eh bien écoutez, c'était sympa la ferme des Dew, pas du tout. À part, très honnêtement, hein, à part le fait qu'on puisse pique-niquer avec Idriss. Bon, voilà quoi, ouais, c'est cool, on apprend un peu plus avec la ferme des Dew, mais bon, c'est quand même pas exceptionnel. Donc... Bref, c'est ainsi. Du coup, bah, écoutez, je vous laisse là parce qu'on va pas prolonger pour rien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée, etc. Même bonne journée tout court, un bon appétit, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. C'était Madison. Bye bye tout le monde.